Et salut à tous, c'est Yoyuko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de boss. Aujourd'hui, on va pas voir un boss qui se farme pour le cash ou pour l'XP. On va voir un boss un peu particulier, c'est Jade. Donc j'ai je dois le tuer deux fois pour ma tâche de faucheuse, donc du coup je vous fais une vidéo sur Jade. Alors Jade, c'est un boss, ça consiste à plusieurs vagues de monstres dans lesquelles il faut survivre et tuer du coup les monstres jusqu'à une certaine vague où apparaît Jade. Voilà, donc là vous avez Jade, ici vous avez un petit visuel. Donc Jade, c'est un boss, il ne drop que la cape de feu. Voilà, c'est un drop 100%. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait un fail dans mon stuff parce que j'ai une bague qui booste les dégâts contre les tsars et qui du coup booste les dégâts contre tous les sbires de Jade, Jade compris. Donc pour vous rendre au boss, vous allez au volcan de Karamja. Voilà. Et ici, là, vous avez un truc marqué déferlement, il y a une banque à côté. C'est là qu'il faut que vous alliez pour affronter Jade. Donc c'est présenté comme un mini-jeu, plus que comme un boss. Et vous allez voir, ça reste quand même un boss. Alors, voilà, donc j'ai ici une quête, une bague qui est une récompense de quête qui augmente de 10% les dégâts infligés. Voilà. Ce qui est plutôt cool. C'est pas là. Ouais, je me disais bien, c'est pas là. C'est en dessous. Voilà, donc vous avez déferlement. On va y rentrer. Donc on entame directement. Voilà. Si je ne m'abuse, les petits trucs à la con là, quand ils vous tapent, ils drainent votre prière, je crois. Qu'on va voir directement une surcharge. Thank you.
Et nous voilà à vague 62. Prochaine vague, c'est Jade. D'ores et déjà prix et magie. Donc la strat sur Jade, c'est de réussir à alterner les prières en fonction de ses attaques, donc magie et range. Donc là, on va doper nos stats. Ok, donc quand il se lève comme ça, là, c'est sa boule de feu. Et quand il tape des pieds comme ça, c'est range. Ça, c'est range. Tac. Vous priez range. Là, il se lève, il va envoyer une boule de feu. Vous priez magie. Et paf, vous tankez la boule de feu. Donc là, il va invoquer des soigneurs. Il faut que vous arriviez à tuer. À faire que les soigneurs vous focus vous et non pas Jade. Voilà. Encore deux autres là-bas qui me focus pas. Bon, ça fait plusieurs prières que je switche pas là. C'est potentiellement dangereux. Voilà, là il faut que eux là ils soient sur moi et pas sur lui. Je vais me tromper de prière. Voilà. Donc Jade est vaincu. Principalement parce que en termes de stuff, je suis un peu au-dessus du niveau parce que j'ai vraiment fait que de la merde sur ce truc. Donc l'intérêt c'est d'avoir cette cape du coup qui donne un bonus de force de 26. Alors pour info une skill cape donne un bonus de force de 21. Donc c'est mieux qu'une skill cape en termes de mêlée. Voilà. Et en plus cette cape est plutôt sexy. Alors, regardez. Voilà. Un joli effet de lave qui coule. Voilà. Donc c'était Jade. Donc, vraiment le truc vraiment important c'est de changer de prière quand il attaque, surtout si vous êtes assez bas niveau. Quand il tape des pieds par terre, c'est une attaque de type range, du coup il faut que vous activiez votre prière range. Et quand il se lève en l'air, c'est une attaque de type magie, du coup il faut prier magie. Voilà. Bonne journée à vous. Et merci d'avoir regardé la vidéo.